Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier sonore et visuel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous présenter succinctement le logiciel IVM. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi là ça va être une présentation rapide des différents outils du logiciel. Je ferai d'autres vidéos où je rentrerai plus en profondeur en fonction des différents sujets. Alors, pour commencer, en haut à droite, en orange, on va voir tout ce qui est gestion des matériels extérieurs, le paramétrage d'un clavier, le paramétrage des contrôleurs MIDI, ou l'association à un vidéoprojecteur, ou tout simplement, comme je l'ai fait moi, une fenêtre de projection. Ensuite, sur la partie verte et bleue, c'est tout ce qui va être outil pour le dessin. Alors en vert, il va y avoir dans un premier temps 4 formes préfaites que vous aurez tout simplement à glisser dans la zone de travail pour les obtenir, et ensuite vous pouvez les sélectionner et les agrandir. Concernant cette dernière fonction verte, il s'agit là de l'ajout d'un média, c'est-à-dire non pas d'une forme mais potentiellement d'une photo ou d'une vidéo. Ensuite, pour les fonctionnalités en bleu, ce sont donc toujours des fonctionnalités pour le dessin. Il y a donc en premier la fonctionnalité center qui en fait correspond à la position du point de fuite. Donc le point de fuite apparaît en bleu lorsque vous sélectionnez cet effet, et ce point de fuite il apparaît toujours au centre par défaut. Néanmoins, il est possible de le déplacer pour créer différents effets, et donc ça a vraiment le même effet qu'un point de fuite. Vous voyez très bien, vous verrez la différence entre là où il y a le point et là où il y a la forme, et l'effet suivra la direction de la ligne. Ensuite, l'effet plume lui permet tout simplement de créer une face avec la forme exacte que l'on souhaite obtenir. Il n'est parfois pas toujours évident de retrouver la souris lorsque l'on effectue une projection, c'est pourquoi il y a un petit curseur qui permet en fait, avec une grande croix blanche, de retrouver très facilement où est exactement notre souris. La fonction grid est une fonction un petit peu plus complexe que l'on reverra plus tard, on n'en a pas besoin pour prendre en main le logiciel et pour débuter. La fonction magnet, elle est très utile. Elle permet tout simplement, lorsque vous allez rapprocher deux points avec l'outil magnète activé, il va y avoir une zone bleue qui se crée entre ces deux points et ça va tout simplement les coller et créer une jonction parfaite. Ensuite, sur la gauche, il y aura tout ce qui est gestion des différentes faces que l'on a dessinées et l'attribution des groupes. Pour faire un groupe, c'est simple, il suffit de sélectionner une ou plusieurs faces et de les ajouter avec le petit plus jaune qui permet tout simplement de créer un groupe avec les nouvelles faces que l'on a sélectionnées. Ensuite, en rouge, sur le côté droit, les trois outils rouges correspondent aux différents effets que l'on peut appliquer aux formes que l'on a créées. Donc là, je ferai une vidéo complète sur le sujet car il y a beaucoup de choses à dire. Néanmoins, vous pouvez essayer par vous-même, vous verrez que c'est très simple, il suffit d'activer et désactiver un effet pour le voir apparaître. Et ensuite, vous avez juste à modifier les réglages pour voir les résultats que cela peut donner. Ici, ce sera la gestion et les paramètres appliqués aux médias que l'on aura souhaité insérer. L'étoile bleue, elle, ce sera plus des effets, comment dire, eux s'appliqueront à l'intégralité des groupes, à l'intégralité de la projection. Ensuite, l'onglet transition, là, correspond à l'outil du séquenceur, mais qui n'est pas la première chose à savoir utiliser lorsqu'on découvre le logiciel. Je referai une vidéo là-dessus pour vous expliquer plus précisément. Mais donc cet outil sert juste à paramétrer les transitions d'entrée et de sortie des séquences. Donc le séquenceur qui est en bas, comme je vous le disais, est un outil un petit peu plus complexe qui permettra de diversifier les possibilités de création dans le logiciel. Néanmoins, ce n'est clairement pas la fonction principale à connaître pour débuter dans le logiciel. D'autant plus qu'il faut quand même un ordinateur qui a un minimum de puissance pour pouvoir faire tourner les différentes séquences. Enfin, en bas à droite, il y a tout simplement tout ce qui va être gestion du tempo et de l'audio.
Dans un premier temps, le tempo, bah, soit vous réglez le tempo manuellement, soit vous écoutez une musique et vous tapez en rythme, vous cliquez en rythme sur le bouton tap pour obtenir des effets parfaitement synchronisés avec votre musique. Sinon, autre manière de synchroniser la musique aux effets que l'on pourra observer est tout simplement avec l'audio analyse qui va analyser la musique qu'il entend, va décomposer les basses, les médiums et les aigus pour que, en fonction de ce que l'on souhaite, on puisse faire agir certains effets uniquement sur les basses ou uniquement sur les aigus et permettre ainsi plus de réactions propres à la musique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je passe plus de temps, si vous-même vous avez essayé de faire des choses et qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas. Dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse y répondre en vidéo. On est là pour apprendre ensemble, c'est l'objectif de la chaîne. Comme je vous le disais, c'est un logiciel vraiment facile à prendre en main. Je vous laisse essayer de votre côté à utiliser les différentes fonctions et puis moi je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres manières de travailler avec le logiciel. Vraiment, ceux qui seraient tentés, n'hésitez pas à vous lancer avec ce logiciel parce que il est vraiment hyper intuitif et on obtient très rapidement un résultat vraiment satisfaisant. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des retours sur mes vidéos, que ce soit des retours positifs ou négatifs, j'en ai vraiment besoin, il faut que j'améliore la qualité de mon contenu et de la manière de les produire. Donc n'hésitez pas vraiment pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, je ne le prendrai pas mal ou au pire je me vexerai mais vous le verrez pas. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez vous abonner, je vais pas vous dire non, hein, c'est comme d'habitude, moi ça me dérange pas. J'irai même jusqu'à dire que ça me fait plaisir. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.